Bonjour à tous, c'est Shikasama. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yo-Kai Watch. Alors là, nous sommes au fil du temps et on essaye de demander, enfin, on demande à Monsieur Bellevue d'améliorer notre Yo-Kai Watch et il nous donne quelques missions à faire. Alors, mes excuses, je crois que je t'en ai trop demandé. Quand ce sera le bon moment pour toi, je pourrai améliorer ta Yo-Kai Watch. Ah, c'est-à-dire que c'est pas le moment ? Pourtant, on lui a apporté tout ce qu'il demandait. Alors, on va aller... Ah mince. On va suivre la flèche pour la quête. Rentre chez toi et va au lit. Allez, on rentre chez nous. Et on va faire un petit dodo. Alors, c'est où chez nous ? C'est tout en haut. Et il faudrait que, ouais, comme je le répète à chaque fois que je fais une vidéo, ça serait... Ah mince ! Qui sont ces insolents qui ne suivent pas les règles ? Oh là là ! Regardez sur qui on tombe, sur Fouettard ! On n'a pas été très... intelligents. On a traversé la rue sans attendre le feu vert. Alors, est-ce qu'on peut battre Fouettard ? Là pour l'instant c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on lui donne comme je sais pas ce qu'il aime lui. C'était mangeable. Bon. Allez. Ah là là, il nous fait du mal. Ah bah du coup ça va nous faire rentrer chez nous d'un côté, tant mieux. Allez charger Dibanyan. Ah non, pas le temps, bon, tant pis. Bon, ça va être très rapide, je pense. Très rapide. Fouettard, nous... il nous met KO, hein. On n'a même pas besoin de bouger, hein. Voilà. On dit au revoir. Perdu. On a perdu contre Monsieur Fouettard. Mais c'est pas grave. Ah, je te l'avais bien dit, Chica. Je t'avais bien dit qu'un jour, tu serais puni. Que ça te serve de leçon. Ne refais plus quelque chose d'aussi dangereux. Désolée, mais dis, tu me suis tout le temps quand même. Tu n'es pas punie. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Cette règle ne s'applique pas aux yokai. Ah oui, c'est un peu injuste quand même. Eux doivent... Enfin, nous, on doit faire attention. Mais par contre, les yokai, eux, non. Ils n'ont pas besoin de faire attention. Ils peuvent traverser la rue comme ça, sans regarder. Allez, on rentre chez nous. On rentre, on va faire un petit dodo. Et comme ça, on pourra faire la suite. Et si je dormais un peu? Allez, on dort. Et voilà, c'est la nuit. Mais qui voilà? C'est Baku. Elle va nous aider. Maintenant, Baku, mange ton dodo. Donc voilà, Baku va se transformer donc en nous et elle va nous remplacer dans notre lit. Hein ? J'étais super fatiguée il y a un instant, mais plus maintenant. Les bons dodos, Baku va faire maintenant un autre tour. Et voilà. Parfait, comme ça nos parents, s'ils viennent dans notre chambre, ils penseront qu'on est en train de dormir. Et nous, pendant ce temps, on va pouvoir sortir. Ouah, ça fait bizarre de se regarder dormir. Super Chica, on peut sortir comme on veut à présent, même la nuit. Et voilà, grâce à Baku, tu peux maintenant sortir la nuit, c'est cool. Allez, sortons sans faire de bruit, il ne faut pas réveiller tes parents. Allez, on sort d'ici, on sort de chez nous. Va au bric-à-broc du quartier des boutiques. C'est-à-dire que les boutiques sont ouvertes même la nuit. Allez, on descend. On va pas mettre en colère Fouettard. Hein. Voilà, c'est vert. Parfait. Et on va au quartier des boutiques qui se trouve... hop, vers là-bas plutôt. On va aller du côté des coteaux... mince. Bon, c'est pas grave. Du coteau fleuri. Et voilà, quartier des boutiques. On va traverser la rue. Pose-toi de là, toi.
Ouais, il nous empêche de passer. Ah, ça y est, il est parti. Oh là là. C'est parfait, on est au quartier des, des boutiques. Va au bric-à-broc. Allez, on va au bric-à-broc. C'est-à-dire au magasin d'antiquité. Allez, c'est juste là. Donc tous les magasins sont fermés, à part quelques trucs, hein, je pense. C'est comme si mon corps tout entier réclamait des ramen. Ramen, ramen. Ah oui, carrément. Carrément, carrément, il veut bouffer des ramen. Allez, hop, on passe par là. Oh, mais qui c'est? Qui est ce yokai? Jalouserie et Modieuse. Tiens, Modieuse, je ne connais pas lui. En avant, je sais pas du tout ce que ça mange, tout ça. Allez, on va envoyer des ramen. Peut-être que ça intéressera quelqu'un. Jalouserie. Ah, mince, c'est vrai que Jalouserie doit bien aimer le riz. Et moi, je... Ouais. Bon, tant pis. Tant pis, on verra si Jalouserie devient notre ami. Allez, Jibanyan. Fureur du chaton. Tiens, 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 prends ça. Parfait. Waouh. Ah bah voilà, c'est fini. Merci Jibanyan. Tu les as bien corrigés, on va dire. Allez, amulette vieillotte, on gagne. Oh, mais qui devient ami avec nous? Modieuse. Ah bah c'est cool, c'est vraiment celui que je voulais en fait. Modieuse, je t'aime vraiment bien. Travaillons en équipe. Veux-tu te lier d'amitié avec Modieuse? Évidemment, oui. Ah, c'est cool, Modieuse, un nouveau yokai. Je sais pas ce qu'il fait. Je pense que c'est un yokai de, qui est pas dans le 1. Et voilà, un yokai de plus. Alors, parfait. Parfait, parfait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette... dans ce carton? Vivez karaté, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, 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 un yokai ici, dans les cartons, là. On va essayer d'avoir des yokai... Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Ah. Ah, c'est pas Wakapuera, un truc comme ça? Eh oui, c'est Wakapuera. N'empêche que je le connais grâce à Weeble Wobble, hein. Franchement, je retiens les noms de certains yokai grâce à ce jeu, donc c'est cool. Alors, lui, par contre, je sais pas ce qu'il aime. Allez, on va lui donner des légumes. Pas mal. Bon, tout oui, je sais pas pourquoi j'ai utilisé sa... son âme ultime. Hein. On va accélérer. Claque d'amour. Et voilà, parfait. C'est rapide. En accélérant, c'est normal, c'est rapide. Allez, il est envoûté. Ah bah voilà, parfait. Nickel chrome. Alors, est-ce que Wakapuera va devenir ami avec nous? Bon, pas beaucoup de points d'expérience là. Un peu d'argent, oh pas mal. Et des appâts de poisson. Bah non. Eh ben non. Alors par contre, il y a un truc par terre là. Du staminum. Alors, où est le bric-à-broc? Ah, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bric-à-broc? Es-tu vraiment intéressée par ce vieux bidule? Tu es bizarre, petite. C'est Monsieur Bellevue qui m'envoie. Monsieur Bellevue? Ah, tu veux récupérer le truc que ce vieillard a laissé ici? Il était temps. Ça fait des lustres que je l'ai ici. Je croyais qu'il l'avait vraiment oublié. Tiens, prends-le, petite, et dis au vieillard de faire plus attention. Un super tournevis. Super, merci. On va pouvoir améliorer la Yokai Watch. Retournons au fil du temps. Et parfait. Donc on est allé récupérer... On a récupéré le tournevis et... Ah, si tu aimes la Camelot, tu trouveras ce que tu cherches ici. Alors qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il vend? On va regarder. D'accord, c'est des objets. Très chers pour l'instant. On ne peut pas se le permettre. Allez, on va sortir d'ici et on va retourner au fil du temps. On se retrouve au fil du temps. Et voilà, nous y sommes. On va enfin avoir notre Yokai Watch amélioré.
Ça alors, tu m'as rapporté mon tournevis préféré. Comme il m'avait manqué, mon petit tournevis, je peux enfin travailler. Donne-le-moi, ma petite. Et voilà, on lui a rendu son super tournevis. Parfait, je vais améliorer cette petite Yo-Kai Watch, prépare-toi. Ah, enfin il se met au travail. On attend. Est-ce une bonne idée? Il a quand même réussi à perdre son outil favori. Parle moins fort, il pourrait nous demander encore d'autres services. Hein? Tu disais quelque chose? Non, rien du tout. Je ne parlais pas du tout d'outils perdus. Et voilà, j'ai fini ta Yo-Kai Watch et maintenant prête à être utilisée. Grâce à elle, tu devrais pouvoir voir des yokai plus puissants. Le reste repose sur toi. Utilise-la autant que possible. Super, merci. Et voilà, on a notre Yo-Kai Watch de randé. On va pouvoir avoir des yokai intéressants. Tu peux enfin devenir ami avec des yokai encore plus forts. Ouais. Alors, le rang Yo-Kai Watch te montre le niveau de ta Yo-Kai Watch. Bon, ça, on est au courant. Alors maintenant, on doit aller à l'école. On doit se rendre à l'école. On y va. On va passer par en haut. Ah, par contre, là, on voit... Il doit y avoir un yokai par là, pas très loin. Ah, oui. Ici, dans les sources. Mais on va pas y aller maintenant. Ah, qu'est-ce que c'est? Hé, petite, t'aurais une minute? Tu pourrais garder cette boîte pour moi quelque temps. Boîte rouge. Ah ouais, carrément, il nous demande ça dans la rue la nuit. Qui ça? Moi? Vous voulez pas que quelqu'un d'autre la garde? Genre un ami ou un parent? Bah, tu t'en sortiras bien. Garde-la jusqu'à ce qu'on se revoie. Juste un petit truc, petite. Ne l'ouvre pas, sous aucun prétexte. Compris? Compris, à plus. Ah. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Je vis à la corniche, mais je viens souvent aux sources chaudes. On est comme ça, nous les vieillards. D'accord. Allez, nous, on doit aller à l'école. Donc, on va à l'école. Alors là, par contre, on va traverser sans... Hein, on veut pas que... Que Fouettard apparaisse, là. On n'a pas que ça à faire. Donc, l'école est ici. Ah, il y a un yokai ici, par ici. Ah, là. Mais qui s'agit-il? De qui s'agit-il? De Jacasseur, j'ai l'impression. Eh oui, Jacasseur, il va nous parler pendant... Bon, c'est bon. Il va pas nous parler. Hop. Allez, on va à l'école. Je sais pas s'il fallait y aller la nuit. Waouh, il y a un brouillard étrange qui enveloppe l'école. Je sens que des yokai nous préparent un mauvais tour. Oh là là. Oh, dis-moi que c'était une hallucination. Tu as entendu? J'ai comme l'impression d'avoir déjà entendu ce bruit quelque part. On dirait que ça s'est arrêté. Si mon instinct de valet dit vrai, le bruit venait de l'étage. Prenons les escaliers, Chika. Allez, on va voir à l'étage. Même si ça me fait peur, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on peut pas. Ils ont bouché l'entrée, là. Ah, on entend encore un bruit, là. Ce bruit. On a déjà entendu ce bruit quelque part, j'en suis sûre. Attends un peu, ça serait... Non. C'est vraiment une... Oh, qu'est-ce que c'est? Une capsule géante. Waouh! Effrayant, tous aux abris.
Vite, on rentre dans une classe. Parfait. Pfiou, c'était vraiment une capsule géante, non? On dirait que oui, et s'il y a une anomalie pareille, nous devons aller à l'étage voir ce qui cause tout ça. Allez, on va à l'étage. Mais déjà, la musique... Oh là là. Ah mince, on s'est fait écrabouiller. Oh non, on est piégé. Waouh. Ah mince. Oh là là, où ça nous mène? Ah, ça nous met juste dehors, j'espère. Allez. Ouf. D'accord. Ça va aller, Chica? Ça tourne. Je ne me sens pas bien. Si on touche une capsule, on se fait piéger dedans et éjecter de l'école. On doit les éviter. Fonce dans une salle de classe si besoin. D'accord. C'est vrai. C'est vrai, j'avais zappé ça. Allez, on y retourne. Oh là, on a eu chaud. Ah, un yokai. Allez, on va en profiter. On a l'infirmerie Humanquin et Woko. Bon, on les a pas tous. Hop. Allez, on donne un coca, un Nicolas plutôt. Ça serait cool qu'on puisse avoir un de ces trois yokai vu qu'on les a pas. Même Woko, hein. Woko, c'est vrai que dans le 1, on l'a assez rapidement. Allez, Jibanyan! Jibanyan, attaque! Attaque, chargée! Allez, il fait sa fureur du chaton. Wouah! Parfait! Ah, il n'y en a qu'un qui résiste. Il n'y en a qu'un qui a résisté. Mais plus pour longtemps. Allez, ça mousseraille. Clan pimpant. Nettoie tout, nettoie la vitre là. Hop, merci. C'est parfait. Allez, on attaque. Et voilà, parfait. On a encore gagné, évidemment. Allez. Oh, un badge simple. Alors par contre, je vais essayer quand même d'utiliser... Alors attendez, c'est quoi? Plein inventaire. Je vais utiliser un maximum de choses. Par exemple ça. Prends le yokai prudent. Après, je sais pas en fait. Rends le yokai calme. Allez, on va le mettre calme. Je sais pas si c'est intéressant ce que je fais. Allez, on va mettre des exports tortico. Parfait. Et ça, c'est quoi? Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Et on va continuer. Vite, vite. Avant qu'une boule arrive. Allez, on va monter à l'étage. Puisque c'est là où il faut qu'on aille. Encore ce bruit. On dirait encore une fois qu'il vient d'en haut. Montons encore d'un étage, Chica. Allez, un bruit étrange au deuxième étage. Bon là, évidemment, il nous bloque encore le passage. Une poupée de bronze. Oh non. Je n'avais pas vu celle-là. Oups, on a encore été renvoyé.
C'est bon, on va y arriver. Respire un bon coup et recommence. Bon, ça va. Heureusement, ils nous ont pas mis dehors, là, parce que... Ah non, non, on est au premier. Allez, on monte. Ah, j'ai eu peur. Je pensais qu'on allait refaire... Ouf! Oh là là, on a eu chaud. On a eu très chaud. Allez, on peut monter au deuxième. On est au deuxième. J'entends encore ce bruit. Il doit venir d'au-dessus. Cela va nous mener sur le toit. J'ai compris. Le bruit vient du toit. C'est ce que j'ai... Vite, sur le toit, Chica. Donc voilà, encore un objectif. On doit monter sur le toit. Évidemment, ils vont pas nous laisser monter facilement. Ah tiens, il y a... Hop. Carte cadeau musique. Allez, on va aller voir... Sumochi. Allez, si on pouvait avoir... si on pouvait être amis... Ah, Sumochi aime ça. Heidi Banyan. Fureur du chaton. Et parfait. Parfait, les trois sont KO. Merci, gagné. Allez, parfait. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas donné de nourriture. Ah si, si, on a donné du riz. Ouais, bon. Faut faire gaffe, hein, parce que s'il y a encore des boules... qui arrivent... Ah. Ouf. Alors, à chaque fois, on a... À chaque fois, c'était juste, juste... Ah, la porte est fermée. Wow, on s'est fait enfermer dans cette salle. Avec Sumochi, si tu veux sortir, il va falloir que tu mettes la main sur le coupable. D'accord. Oh, il y en a trois. Trois Sumochi. Le yokai du milieu est celui qui a fermé la porte. Dépêche-toi de l'attraper. Tu as compris? Celui du milieu. À toi de jouer. Ah oui, d'accord. Comment j'ai fait, là? Allez, on tourne. Tout oui. Claque d'amour. Tiens, un peu d'amour pour tout le monde. Allez, on attaque. On les attaque tous, là, parce que bon... Il faut absolument qu'on attrape Sumochi. Donc, je sais pas si c'est celui-là. Bon, on va en mode accéléré, hein. Parce que bon. Allez, Tortico. Allez, Tortico. Et voilà, parfait. Allez, on cible. On cible Sumochi. Allez, suintons. Dégouline. Voilà, parfait, on a réussi. Mais est-ce qu'on l'a attrapé, celui qu'il faut? C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Tu l'as! Raté. Et voilà, c'était pas lui. C'était pas lui. Ouah, il y en a d'autres! On doit attraper le yokai du milieu. Si tu ne sais pas, essaie de deviner. Tu as une chance sur trois, après tout. Alors, attendez. On va bien observer. C'est celui-là. C'est celui-là. Normalement, c'est celui-ci. Ah, quand même. Allez, allez. En avant. Allez, suintant. Suintant, attaque. Chargé. Défenseur. Wow, si un suintant m'attaquait, berque berque. Allez, hop. Allez, Baku, endors-moi les. Allez, on accélère. On accélère parce que là, on n'a pas que ça à faire. Nous, on doit monter sur le toit, donc.
Eddie Bannon. On attaque et on défend Samus Rai aussi. Hein, parce que bon, lui, c'est celui qui se fait attaquer là. Hop, tiens! Ah, on n'en a pas fini, hein. On n'en a pas fini, c'est long. C'est long, mais on va réussir. On va réussir ce combat. Allez, clampin-pan, nettoie tout. Allez, on cible, on cible. Ah, c'est bon, enfin. Enfin gagné, et je pense que c'est celui du milieu qu'on a réussi à avoir. Parfait. Tu l'as trouvé ! Ah oui, j'en étais sûre. Oh, je viens d'entendre un clic. Je crois bien que la porte est déverrouillée. Ok. Mais avant, on va prendre ça. Un badge mignon, d'accord. Attention, parce que là, il y a des boules qui arrivent. Mon Sumochi. Un Sumochi, on n'est pas amis avec lui. Je vais quand même essayer de l'avoir. Avec des ramen. Il me semble qu'il aime les ramen. Ok. Ah non, il aime pas le ramen, il aime le riz alors. Ou les plats chinois, je sais plus. En tout cas, c'est un des trucs comme ça. Allez, fleur du chaton. Ah bah voilà, les trois sont KO. On a gagné. Et est-ce que quelqu'un va devenir ami avec nous? C'est important ça. Ah si, voilà. Enfin, Sumochi. Hey, regarde-toi un peu, on devrait être amis nous deux. Ah, parfait. Et voilà, un nouvel ami. On complète le médaillum. Allez, et voilà, parfait. Et un de plus. Coup secret, ok. Oh non, oh non, 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 ouf. Non, non. Ah là, j'allais ouvrir la porte là. Oh non, on est piégé. On est piégé. Oups, on a encore été renvoyé. Bon, je sais pas à quel étage on a été renvoyé. À l'étage du dessous, je pense. On va pas ouvrir la porte maintenant. Allez hop. Ouf. Alors, il y a quoi là? Il y a deux petites exporbes. Bah tiens, on va les utiliser parce que c'est très important. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est très important d'améliorer ces yokai. Allez, Jibanyan. Voilà, hop. Ah, il y en a encore. Et voilà. Alors, on va sortir d'ici. On est au quatrième étage. Ah oui, d'accord. Ah non, mince! Oh là là! On est piégé. Bon, allez, on retourne à l'étage du bas. Bon, c'est pas grave. Allez, on remonte. On remonte, on insiste. Et on va se mettre là en attendant que le truc passe. Allez, on y va. Non ! Oh là là ! Ah, j'arrête pas de me faire piéger là. Allez, cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne. Allez, on rentre, on rentre. Ouf. Wow.
Ah, la porte est fermée. Oh non, on va encore devoir trouver le... Ah bah non. Si tu veux sortir, il va falloir que tu mettes la main sur le coupable. D'accord. Là aussi, il faut... Alors, le yokai du milieu, d'accord. Ok, toujours le yokai du milieu. Ah mince, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, je pense que c'est lui, mais j'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Alors, je sais pas ce qu'il aime. Avec du thé de l'âme. C'est pas extra. Bon, il aime pas le thé, c'est pas grave. Allez, toutoui. Parfait, hop, allez, on attaque. Je sais pas si ça a été le... Je sais pas si c'était le yokai du milieu, mais bon, c'est pas grave. Allez, chargez. Allez, tiens, envoûtement. Allez, on y soit. Allez, dis banane, je crois en toi, là. Pour nous débarrasser. Ah bah voilà. Même pas on a pu faire l'attaque de fureur du chaton. On a gagné quand même. Ah, et tu l'as raté. Mince. Alors attendez. Je vais me concentrer. C'est lui là-haut. Allez, on va voir. J'espère que c'est lui. Normalement, c'est lui. Allez, en avant. Allez, Baku. Bon, en tout cas, Onitoa, il aime pas du tout les boissons. Voilà, ils sont tous endormis. Maintenant, on va pouvoir les attaquer correctement. Allez, Jibanyan. Allez, ouais, paf, dans ta face. Et un dernier, parfait. On a réussi. Alors, normalement, c'est celui du milieu qu'on a... Alors, tu l'as. J'espère que c'est celui du milieu. Tu l'as trouvé, ouf. Alors, toujours en deux fois. Allez, la porte s'est ouverte. Mais il faut faire gaffe. Parce qu'il y a des boules. Des boules qui arrivent. Alors, attendez, on va réfléchir. D'accord, faut aller tout droit, en fait. Ah non, on peut pas. On peut pas aller tout droit. Oh là là. Non, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Allez. Ah, non. Ah, c'est chaud. Comment je peux faire, ici? Bon, allez. On rigole plus, là. Est-ce que vous avez galéré ici ou pas du tout? Peut-être que vous avez pas galéré, comme moi. Ah, peut-être qu'il faut... Ah, ouf. On a réussi à monter à l'étage. Ah, on va pouvoir... Ah, les PVT, ok, parfait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va sauvegarder. Parfait. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que je pense qu'il y a un boss juste après. Donc, on va se retrouver très, très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos conseils. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Bye, bye.